Le jour 21 de mon 100 jours, The 100 Day Project 2024, où je fais du collage en maximum 10 minutes avec des retailles. Alors bonjour, merci d'être là, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es une nouvelle personne et que tu ne me connais pas, mon nom est Joanne Lafrance, je fais du collage et je fais le 100 jours cette année pour la 5e année. Et ce que j'ai décidé cette année, c'est de travailler un peu l'abstrait et de sortir de ma zone de confort en faisant ce genre de collage-là. Et en parlant aussi sur YouTube, alors, ou direct, sans montage. Donc, ce sont les principaux objectifs de ce 100 jours 2024. Si je reviens sur le collage d'hier, le jour 20, déjà le 5e du 100 jours de passé, le noir et blanc et la couleur, j'adore ça. À chaque fois, ça me bouleverse. Et ces deux couleurs-là, l'espèce de rouille, là, j'aime vraiment beaucoup ça. Alors ça, c'est celui donc qu'on a fait hier. Et avec mes O et mes A, et puis on dirait que ça parle au monde, puis il y en a plein, il y a de l'écho. Vous faites aussi des O et des A, alors je vais continuer à les faire sans me gêner ou me juger, je ne sais pas trop. Là, hier, j'étais un peu crampée de m'entendre avec mes O et mes A, mais on va continuer parce qu'on aime ça. Donc voilà, la page vierge pour le jour 21 et mon bac de retail. Ils sont déjà tous taillés ou à peu près pour le format de mon cahier. C'était une préparation que je me suis faite pour me faciliter la vie parce qu'on partait avec 10 minutes. Hein, alors, on n'avait pas le temps de faire des floflons. Donc, j'ai un bâton de colle ici que j'utilise pour les coller. Je pars le minuteur et on commence et je pige sans les regarder. Et l'idée que j'ai eue ce matin, c'est que pourquoi je ne les collerais pas sur le côté que j'aime le moins et qui me parle le moins. Alors, tu vois, juste pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, tu vois, moi, j'aurais tendance à utiliser ça parce que, j'ai pas de mots vraiment. Écoute, j'aime ça parce qu'il est en noir et blanc et puis on ne sait pas ce que c'est. On peut bien s'imaginer tout ce qu'on veut, mais je pense que c'est un morceau de quelqu'un. Et puis, tu vois, ce morceau-là, ce bar-là, ça ne me dit pas grand-chose. Hein? Bon, alors, c'est celui-là qu'on va utiliser, que l'on va voir. Donc, je vais malheureusement cacher ce morceau-là. Et je commence, je ne ferai jamais ça, je commence dans le plein milieu. Garde ça, toi. Tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'on fait ce matin. Alors, j'en pige un deuxième. Oh, ben c'est Lynn qui va être contente. Regarde, Lynn, la page de dictionnaire. On va essayer hein, de ne pas toute la cacher. Mais elle est trop grande, alors je vais faire quelque chose. Et ça, j'aime vraiment beaucoup ça, qu'il y ait le rose. Bien, on va le cacher, regarde. Mon Dieu, c'est vraiment étrange hein, ce matin. Mais je le mets comme ça, ici, croche un peu. Et la même chose avec ça. Hein? On va y aller. Sauf que les fleurs, là, c'est beau, par exemple. Regarde, on va la cacher en dessous. OK. Je me joue des tours, hein, ce matin. OK, j'y vais avec un autre morceau. Ah non, celui-là, je vais l'enlever parce qu'on vient de l'utiliser il y a quelques jours. C'est pas que je ne l'aime pas. J'ai ce beau morceau vintage-là, ici, que j'aurais tendance, c'est bien sûr, de mettre sur ce côté-là. Et je n'ai pas fait un haut encore. Oh! Oui, regarde, ça fait comme un visage. Hein? J'aurais tendance, moi, à le mettre de ce côté-là. Mais pour pour y aller avec l'idée de ce matin, je vais le mettre sur ce bord-là. Et puis, je ne vais pas le mettre tout de suite. Oui, oui. OK, je le mets tout de suite. D'accord. Et je vais le mettre à l'envers, justement, à cause de ce visage que l'on voit. Et ça, je vais venir le coller plus tard. On va le laisser traîner là pour l'instant. Oh, mon premier haut! C'est un morceau d'un sac d'une pâtisserie, je pense. Je ne sais pas trop, là. Et puis, ça, je trouve ça intéressant. Ça fait comme les rythmes du cœur, hein? Tu sais, les battements, là, la vie. Mais comme on travaille à l'envers ce matin, on va le mettre sur ce côté-là. Et on va venir l'ajouter ici. Et je repige.
Et à chaque fois que je puis, je regarde dehors, on dirait que le soleil veut sortir ce matin. Des graines de chat, je pense, dans une cuillère. Il y a quelqu'un, ah oui, il y a quelqu'un qui l'aimait cette cuillère-là, hein, je me rappelle, mais écoute, juste parce que, est-ce que j'aime mieux la cuillère, moi, ou est-ce que j'aime mieux ce côté bleu-là? Je pense que pour aller avec ce matin, je vais le mettre sur le côté bleu. Et je ne sais où. Comme ça, pourquoi pas. Oh oui, ça j'aurais, c'est sûr que moi, les visages, c'est toujours. Les visages, j'aurais toujours envie de les utiliser. Mais on va y mettre le Ariana ici, là. Puis c'est pas bien parce qu'il fit le bleu et le bleu, tu sais, ça fait un rappel, mais bon. On n'exagérera pas quand même. Peut-être demain. Ici, je fais, ah, ce sont les couleurs, le mélange des couleurs qui est vraiment beau. Oups. Et Estée Lauder, ben oui, Estée Lauder, c'est bien sûr qu'on va utiliser ce côté-là parce que ça donne rien. Pour moi, ça donne vie, Estée Lauder. Donc, on va y en enlever un morceau. Tiens, comme ça va être moins pire. Et là, où est-ce qu'on va venir le mettre, là, Estée? Ben, le Lauder, c'est ça qu'on a ici. OK. La couleur est belle, pareil, là. Et ça, ici, moi, j'aime beaucoup ça, là, ici, là. C'est un collant qui était là, que j'ai enlevé, et qui a enlevé un peu de la couleur de l'image. Mais j'aime beaucoup ça, puis j'aime beaucoup ça. Alors, je peux pas l'utiliser, d'accord. C'est drôle de matin. Oh, c'est amusant. Le petit mauve, il vient faire un rappel avec le petit mauve d'en bas. OK, c'est sûr que j'aurais tendance à utiliser le noir et blanc ici. Mais on va utiliser l'autre barre. Puis malheureusement, il y a du petit mauve aussi qui vient parler au reste. Alors, je n'ai pas décidé, j'avais les yeux fermés. J'aurais ça que je pourrais éventuellement utiliser si plus tard. Donc, le petit mauve, il vient et ça cacherait ça. Ah, bon. Ah, je pourrais venir le mettre ici. Regarde comme c'est joli. Et si tu te demandes ce que j'aime, ça ne sera pas difficile de te dire ça. Regarde, c'est la ligne blanche que l'on voit tellement bien sur le fond un peu mauve de l'autre morceau. Je ne sais pas combien je suis rendu de morceaux, là. Je ne sais pas. Ça, j'aime beaucoup ces couleurs. Puis j'aime ça ici, là, le petit détail qui reste là. Et puis, la vie conjugue à me donner des morceaux mauves pour fitter mon collage ce matin. C'est étrange, hein? Alors, je vais en enlever un morceau de ça parce qu'il est grand, là. Et puis, on va venir jouer avec ce côté-là. Celui-là, il est trop beau. Okay. C'est drôle de dire ça. Ah, lui, il est trop beau, je le prends pas.
Puis ici, le petit, ça, là, les petites lignes oranges, c'est intéressant aussi. Là. Tu vois, ça, c'était une personne assise dans l'herbe. Alors, quand on le découpe, on peut trouver toutes sortes d'autres détails à transformer. Bon, puis en même temps, je trouve, en le mettant comme ça, il vient chercher un petit peu ce beige-là, ici, là. Là, j'en ai un autre morceau. Ici. Ici, comme ça. Et pourquoi ici, comme ça? À cause que... Dans moi... À cause de ce que ça vient créer ici comme, je vais l'appeler une rivière, mettons, hein? L'ouverture que ça vient créer là entre les deux. Alors, je pense que ce sera notre dernier morceau, qui est encore un beau noir et blanc. Ah! Et ici aussi, mais ça, moi, le texte, je trouve ça tout aussi intéressant un côté que l'autre. Alors, que fait-on dans ce temps-là? Je vais passer au vote, Joanne. Qu'est-ce que tu choisis? On va y aller avec le texte. Je ne me suis pas débattue longtemps. Comme ça, et j'en ai un deuxième morceau. Oui, bonjour. Bon, est-ce qu'on veut venir installer ceux-là? Moi, j'aurais comme envie de tout ça, là. Pas les gaspiller. Ça va être un collage de 11 minutes. Et je le fais arriver pour qu'il dépasse ici. C'est un petit détail qui met de l'émotion, je trouve. J'aime ça. Et j'en avais un autre morceau, c'est lui. OK. Il me restait à coller ce beau petit morceau-là. Hein? Oups! On va le remettre, personne ne va le savoir. Attends. Si la colle peut lâcher mes doigts. Voilà. Les enfants de l'avenir se feront l'amour à l'infini. Ben, ça pourrait être son titre, ça. Voilà. On va se faire un peu de place. Alors, le collage du 21, le jour 21, avec les morceaux de papier sur le côté le moins intéressant, mais pour moi. Ça peut être très différent pour une autre personne. Il est quand même très beau. Ça ici, ça me dérange, mais vraiment, cette espèce de carré-là, là. Mais on vit avec, hein, c'est ce qu'on a dit. Alors, merci beaucoup de ta présence. J'espère que ça t'inspire. Et je te souhaite un super samedi. Bye!